Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance haut du corps et on va attaquer directement avec des fixateurs d'omoplates et un gros travail au niveau des épaules. Alors c'est parti, on se place donc sur le ventre, on a les pouces en l'air comme ceci et on est parti. Et on lève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tend devant. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tend ici. 1, 2, 3, 4, pensez à bien respirer, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on retient ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez c'est bien, 8, 9 et 10, on a les bras tendus, petit rond, et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans l'autre sens, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, allez, ça chauffe, mais c'est normal. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient vers le haut. 1, 2, 3, on tient, on essaie de monter. 4, c'est bien. 5, 6, allez, on tient. 7, 8, 9 et 10, on les place derrière et on monte. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on vient taper devant. Et 1 et 2, allez, on tape. Et 3 et 4 et 5, on garde le menton au sol. Et 6, allez, 7. Et 8, 9 et 10, on est ici, on lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bientôt fini. 7, 8, 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Ok, donc normalement là ça doit déjà bien chauffer dans les épaules. Hein. Ok. Je vous laisse le temps de récupérer un petit peu. En attendant, je vais vous montrer le prochain exercice. Donc on va partir donc sur des pompes. Hein. Donc des pompes, si vous pouvez, vous les faites classiques comme ceci. Sinon, on les fait en poussant le bassin devant, en relevant donc les pieds, donc on est à genoux, comme ceci. Et si ça c'est trop dur, vous avancez un petit peu les genoux ici, et en fait on va venir descendre ici. Donc du coup, ça nous fait deux options. Ok ? Allez. On va partir sur 10 pompes. Allez, on se place, on se met ici. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, dernière, et 10. Et on tient là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche. Directement, on se met ici. On va faire le Superman 10 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On récupère. J'espère que vous tenez le coup, j'espère que ça va. Allez, pensez à bien relâcher un petit peu au niveau des bras. Donc deuxième exercice, on va repartir en fait sur un exercice donc de pompe classique. Sauf qu'à la fin, on va faire notre travail d'épaule en amenant les bras devant. Donc je vous montre juste, ne commencez pas, juste vous, je vous montre. Donc je suis ici, je descends, je tends, je viens là et ici. En fonction de ce que vous pouvez faire, vous adaptez. Donc la pompe, donc allez, on se place. Je suis ici,
Je descends. 1. Je tends ici. Ok. 2. Et je remonte. Ok. Troisième. Ok. Quatrième. Allez. 5. Allez. 6. Inspire. Et je souffle. 7. Inspire. Et je souffle. 8. Allez, c'est bien. Il en reste 2. Très bien. Et la dernière. Ok, parfait, on tire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère. Ok. J'espère que ça va. Donc là, normalement, on commence à sentir un petit peu donc les pecs ici. On a les épaules qui chauffent bien aussi. Ok, donc là, on va venir faire des pompes en diamant. Donc comme ceci, donc les prises serrées pour vraiment bien solliciter nos triceps. Donc, on se repositionne donc comme ceci. Comme j'avais dit, hein, donc l'option 1, on se met ici. Et option 2, légèrement avec les fesses en arrière. Et ici, toujours on essaie de garder les coudes le plus proche du corps. Allez, on se positionne et on est parti. Go. Deux, on inspire sur la descente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient 1, 2, 3, 4, on verrouille les triceps. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend. Ok, super bien. Allez, 1, 2, 3, 4. 5, 6, allez, allez, 7, 8, 9, et 10, on tient. 1, 2, allez, enlève. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche. Ok. Allez, on récupère. Essayez de bien relâcher les bras. Donc là, on va faire des alternances d'appui. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. On se place donc sur les coudes et on va venir monter en appui bras tendu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fois bras droit et une fois bras gauche à chaque fois. On va en faire 10, ok? Ok, allez. Allez, 10 secondes et on reprend. Pensez à bien respirer quand vous faites ça. Allez, on se positionne. Donc je pars comme ceci. Allez, go, c'est parti, on descend. 1, 2, gardez le bassin dans l'axe. 3, il ne bouge pas le bassin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière. Et 10, on tire. 1, 2, 3, 4, on ouvre les coudes. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Très bien. Donc directement, on vient se placer sur le dos et on se met en position de cuillère et on remonte. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Ok, on récupère. Ok, donc je vous laisse récupérer. En attendant, je vais vous expliquer le prochain exercice. Ça va regrouper ce qu'on a fait donc sur le travail des épaules, sur le travail de pompe et sur le travail d'alternance d'appui. Ok, donc je vous montre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être ici. Donc je descends en contrôlant. Je tends, je remonte, je viens sur mes coudes et je monte. Et ainsi de suite. Donc on va faire 5 en partant bras droit et 5 en partant bras gauche. Ok. On se prépare, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, on est parti, je contrôle. Très bien. Allez, je tends. Parfait, et je remonte bras droit. Ok, on a fait 1. Je contrôle. Okay. Devant, je reviens, bras droit encore. Super, je contrôle. Allez, troisième. Donc toujours bras droit. Allez, je contrôle. Ok.
4. Je contrôle. Super. 5. Allez, là on va passer sur l'autre bras. Ok. Super, je contrôle. Ok. Allez, on est à 7. Allez, je contrôle, je contrôle. Allez. 8. Allez. C'est le dernier. Et je remonte. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je passe directement sur le dos. Et je viens faire mes remontées en cuillère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tiens. 1, 2, 3. Si vous voulez que ce soit plus compliqué ici, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Ok. Allez, on récupère. Là, les bras, ils commencent à vraiment, vraiment bien travailler. Il nous reste un dernier exercice, les amis. Et après, on aura fini la séance. Donc, je vous explique le dernier exercice. Donc, exercice de fixateur derrière l'omoplate et pour pouvoir justement bien travailler notre dos ainsi que nos triceps. Donc, on se met dans cette position et on va venir pousser le bassin et resserrer nos omoplates ici. Je viens là et je pousse le bassin derrière. Si c'est trop compliqué, vous faites juste, donc je suis ici et je remonte. Et je remonte, juste comme ça, simplement, ok? Allez, on récupère. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, on se place, 2, 1. Donc je lève ici et on est parti. 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, on tient là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on récupère. Ok, pour faire 3 séries, bien évidemment, on n'oublie pas les petits relevés, comme ceci en cuillère, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, comme vous voulez, pour ce qu'on peut plusieurs fuites, 9, et 10, on tient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche. Qui dit dernier exercice ne veut pas dire dernière série, les amis. Allez, il nous en reste 2, et après, on est bon. Allez, on récupère encore 10 secondes. Donc, pensez bien à fixer à chaque fois les omoplates derrière. Hein. À fond, à chaque fois, les épaules, je les ramène derrière et je verrouille mes coudes pour bien solliciter mes triceps. Allez, vous êtes prêts? Et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on tient. 1, 2, 3, et oui, on tient. 4, 5, 6, on n'a pas fait le gainage en portefeuille tout à l'heure. 7, 8, 9, et 10. Ok. Il nous reste une petite dernière série, les amis, et après on sera bon, on aura fini. Allez, on lâche rien, on reprend dans 10 secondes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la séance vous a plu, si vous voulez voir d'autres choses. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de faire ça. Donc, faites-vous plaisir en commentaire, les amis. On est reparti pour la dernière série. Go! 1, 2, 3, on verrouille les coudes des triceps. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, et 10, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, allez, allez, 6, 7, 8, 9, et 10, ok. Fini! Bravo à vous tous hein, qui avez suivi donc, la série. Et puis bah, je vous dis écoutez à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. D'ailleurs si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc, à vous abonner et à activer la petite cloche justement pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc quand elle sort, comme ça vous serez prévenu. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez chez vous les amis. Salut, bye.